Mais faites-le taire ! Faites-le taire, on retrouve Willy Rovelli face à Bernard de la Villardère. Bonjour Willy ! Bonjour Julie de la Leclerc, bonjour Thomas de la Joubert et bonjour Bernard de la Villardière. Alors Bernard, vous le savez, je vous adore. Alors pour vous rendre hommage, je vais faire cette chronique avec la veste sur l'épaule, comme vous la portez souvent, juste pour voir ce que ça fait. Dis donc, c'est impressionnant, hein. Tout de suite ça vous pose un homme. Ah, oui. Bernard de la Villardière, Willy de la voix de sa mère. Oh là là, ça va être génial. Bien, alors aujourd'hui nous recevons donc le baroudeur le plus célèbre de la télé, l'homme aux 4 768 990 miles sur sa carte Air France, un jour à Cuba avec les guerriers, un jour à Rio avec les putanas, un jour à Mexico avec la drogas, un jour à Alger avec Enrico Macias. Si un jour vous voyez débarquer Bernard de la Villardière sur votre lieu de vacances, planquez-vous, c'est qu'il y a une merde pas loin. Franchement, si un jour mesdames, Bernard de la Villardière vous invite quelque part, réfléchissez bien. Chérie, je t'invite sur une croisière. Oh Bernard, sur le Nil? Non, sur l'Amazone. Long de 6347 km, ce fleuve traverse trois pays, dont la Colombie, berceau des parrains de la drogue et des FARC, responsable de la mort de 20% de civil. Rencontre avec l'un de ses barons. Bon, bah, je reste à la maison, Bernard, merci. Ah, les vacances avec vous, c'est pas au moins une petite merde, hein, c'est des vacances gâchées. Mais bon, comme au bout de 10 ans d'enquête exclusive, le terrorisme et les gangs en tout genre, ça vous a un peu saoulé, vous avez donc décidé, Bernard, de présenter une nouvelle émission sur M6 avec un sujet plus calme, l'islam en France. Ah bah c'est bien, c'est pas du tout tendu. Vous voulez pas plutôt présenter Slam sur France 3 plutôt que l'islam en France, Bernard? C'est plus tranquille, Slam. Hein, ah ouais. Là-bas, le truc le plus violent, c'est quand une candidate crie zut. Ouais, bon voilà, c'est pas... À la Ouagbar, on l'entend pas. Au pire, quand un candidat perd, et il peut se dire « Ah là là, je me barre », mais enfin, tu vois, ça va pas plus loin. Hein. Ça va donc s'appeler « Dossier tabou », à ne pas confondre avec « Dossier taboulé », la nouvelle émission de Cyril Lignac. Ceci dit, de taboulé, il en sera question dans cette première émission avec donc l'organisation de l'islam en France. Dit comme ça, ça peut être barbant, enfin, barbu. Bien, mais je me doute bien qu'avec vous, Bernard, ça va être passionnant et sulfureux. Parce que Bernard de la Villardière, c'est avant tout un style, un ton, putain, c'est chiant cette veste, un ton, l'homme qui parle en marchant et la mèche toujours au vent. Et là où Bernard est vraiment fort, c'est qu'il arrive à avoir la mèche au vent, même quand il n'y a pas de vent. C'est vraiment le meilleur. Ah non, vous êtes courageux, Bernard. Et dire que parfois... Ouais, bon, tant pis, c'est pas grave. Et dire que parfois, on entend des journalistes en faire des caisses, hein, parce qu'une matinée, ils sont partis en immersion à Rungis. Et lui, là, il a peur de rien, voilà. Il paraît que c'était déjà comme ça dans la cour de récré, où vous étiez une espèce de Zorro, toujours prêt à chercher la bagarre. Moi aussi, j'étais une vraie teigne. Hein. Mais les garçons ne voulaient jamais se battre avec moi, parce qu'ils disaient toujours non, non, non. On ne tape pas les filles. Bernard, vous dites souvent que vous, le fervent catholique, pourriez très bien finir votre vie dans un monastère. Bah tiens, j'irai avec vous. J'ai déjà fait un bon bout de chemin. Ça fait un petit moment que je fais vœu de chasteté et c'est même pas voulu, tu vois. C'est dire si je suis proche du Seigneur. Allez, partez en paix, Bernard, et à vendredi. À vendredi, Willy Rovelli. Enquêter sur l'amour au Japon dans quelques jours. Et je vais passer par les Love Hotel avant de rejoindre mon monastère. Voilà, je pensais faire un petit détour. Bernard de la Villardière qui était écroulé devant la chronique de Willy Rovelli. Ça vous amuse, ça, justement, les caricatures, Bernard? Oui, oui, bien sûr. Ouais, ouais, tout à fait, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Non, mais je suis devenu un monument. Grâce à Willy. Carrément. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On vous retrouve ce soir sur M6, donc dans Dossier Tabou. Ce sera à 21h. Et nous, on se retrouve dans un instant sur Europe 1 pour les coulisses de la télé ce matin consacrées aux émissions animalières. Vos questions au 3921.